La Bordelaise, c'était un sujet, quand les éditions Chopin et Laure ont fait appel à moi, j'ai trouvé ça incroyable parce que c'était un sujet auquel je pensais déjà de mon côté. J'avais travaillé sur des affiches sur la Bordelaise et c'était un sujet que j'avais vraiment envie de creuser parce que ça m'intriguait. En tant que Bordelaise depuis une quinzaine d'années, j'étais moi aussi intriguée par la femme bordelaise. Donc j'avais envie de creuser ce sujet, mais je ne me sentais pas de le faire toute seule de mon côté. Et donc quand on s'est rencontrés tous ensemble, j'ai été vraiment surprise qu'on soit autant en osmose sur ce sujet, et je me disais qu'on était fait pour travailler ensemble. Et donc j'avais déjà fait quelques dessins sur la Bordelaise, j'avais déjà essayé de croquer un peu en observant mes amis, les femmes que je rencontrais dans la rue, et en essayant toujours de trouver une petite phrase un peu amusante pour non pas les caricaturer, mais essayer de trouver le petit trait amusant, la petite chose originale de leur attitude, de leur élégance qui les représente et par là même qui me représente aussi puisque je vis dans cette ville où on pouvait toutes se retrouver en tant que femme et en tant que française. Et donc j'avais déjà commencé à faire quelques dessins, mais après on a travaillé vraiment, c'était vraiment un travail d'équipe avec Laure parce qu'on a beaucoup échangé ensemble avant de se lancer vraiment elle dans l'écriture et moi dans le dessin. Enfin, je pense qu'elle serait d'accord avec moi. Et du coup, nos échanges ont enrichi aussi notre travail à chacune. Et enfin, particulièrement le mien en tout cas. Et du coup, j'ai commencé à dessiner avec mon expérience, mais aussi avec les écrits qui commençaient à arriver. Et puis, ce qui était très agréable, c'est que j'ai été beaucoup guidée par Laure, qui, en tant qu'éditrice depuis plusieurs années, elle m'a vraiment accompagnée. Parce que moi, c'était mon premier livre, donc ça m'intimidait un peu. Et du coup, elle m'a accompagnée et puis elle m'a guidée aussi pour me dire, bah là, tu pars dans la bonne voie. Et donc, c'est comme ça que le travail s'est fait.